ces gens en danger, rien que pour garder ton titre. La victoire, c'est tout ce qui m'importe. Je ferai tout ce qui sera nécessaire pour rester numéro 1. Commence à t'habituer à n'être que le numéro 2. Tu ne pourras pas m'arrêter et sauver ces gens en même temps. Tu crois? Regarde-moi. Ce sont bien des missiles qui sont logés sur le train? Ça ne me dit rien qui vaille. Wow. Ce ne sont pas des feux d'artifice, les amis. C'est du sérieux. Si vous venez d'arriver sur notre chaîne, ce qui ressemble à un bip-bip mutant tente d'arracher les explosifs du toit du fameux Pégase Pacifique. La situation devient grave. Il y a un moyen de les rattraper? Il ne faut pas sous-estimer les petites routes. Voilà, c'était le dernier. Maintenant, je vais reprendre le titre à ce tricheur. Plus vite, plus vite! Oh, tu commences à manquer d'énergie, Tennyson. Permets-moi d'enjoliver notre course, ça ne manquera pas de piquant. Oh, j'ai un passager clandestin. Attention, Terminus, tout le monde descend! Si j'en crois la carte, Ben et le train sont... Oh, juste là! Accroche-toi! J'ai presque failli le battre! C'est pas une course, Ben! Il y a des personnes en danger! Et on va avoir du mal à les rattraper maintenant! Même pour accélérer, c'était difficile! Qu'est-ce qu'on peut faire? Ce ne sont peut-être pas les roues du véhicule qui comptent, mais le moteur! Non! Oui, peut-être, c'est vrai! J'ai compris! On va voir si Lagrange peut battre ça! Du camping-car avant, ben ça va aller. Tu n'es même plus un véhicule cette fois. Je te signale qu'Inferno n'a pas de roues. T'en fais pas pour les roues, vous êtes assis dessus. Quoi? Oh non. Oh Robert, on dirait que notre pilote véloce lutte encore pour tenir tête au Rocket Express. C'est le moment de faire dérailler cette course. Encore un ou deux coups comme celui-là. Un camping-car qui arrive à ma hauteur, mais comment? Allez, Lagrange! Tu oses manquer de respect au grand Lagrange? Comment oses-tu me défier avec ce tas de ferraille immonde? Immonde? J'ai déjà laissé passer une insulte. Et je n'aime pas qu'on insulte mon camping-car.